Plusieurs jeunes Congolais fourmillent en eux les idées d'entreprendre, mais ne savent toujours pas comment trouver des fonds pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est donc pour les aider à comprendre les rouages sur les subventions que le Fonds national d'impulsion à l'employabilité et à l'apprentissage à Fonea a initié une formation dans la ville de Pointe-Noire. Christophe Pongui, Lionel Mensa. Pendant 10 jours, ils vont apprendre tout ce qui a trait à l'élaboration de plans d'affaires initié par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA en acronyme. Cet atelier est un appui aux porteurs de projets d'entreprise. Ça vise à accompagner les porteurs d'idées d'entreprise, notamment constitués par la population active, ceux qui sont en capacité de travail. Les conditions d'accession, premièrement, il faut être congolais, et secondo, s'inscrire au niveau du FONEA à travers une demande d'accompagnement adressée au DG du FONEA. À la fin de la formation, les meilleurs projets bénéficieront d'un accompagnement financier. À la fin de la formation, les bénéficiaires gagnent beaucoup de choses. Alors d'abord, ils vont bénéficier comment on monte un plan d'affaires et par la suite, il y a un financement, il y a un suivi pour financer ce projet-là. C'est un crédit en fait. C'est un crédit qu'ils vont signer avec des partenaires. Maintenant, c'est remboursable, mais on leur donne le temps pour rembourser. Les participants appellent les organisateurs à pérenniser de telles initiatives. Je voudrais que FONEA puisse continuer avec cette sensibilisation, ce genre de formation. Ça va nous aider à mieux structurer notre entreprise, mieux faire asseoir dans tous les contours de l'entreprise, ce qui sur la vente de nos projets, de nos produits, la présentation de notre entreprise et un peu comment rechercher les financements. Bon, ici, nous venons juste pour nous ajouter des connaissances. On est des jeunes entrepreneurs, parfois des commerçants, et il nous manque parfois des bases de gérer nos projets. Voilà pourquoi ici, nous venons pour qu'on nous donne une formation qui va nous aider de savoir comment on peut monter un projet et réaliser un projet. En fait, de ne pas se perdre. Parce que si on ne connaît pas monter un projet, raser un projet, peu importe ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas s'en sortir. Notons que chaque participant devrait avoir au moins 3 idées d'entreprise à tester pour en faire retenir la meilleure. Pour la gouverne, le FONEA accompagne les entreprises pour l'amélioration de leur compétitivité par l'accroissement des compétences de leurs ressources humaines.